aujourd'hui, mardi 18 mai. 17. Ouais. Ah, ah, mardi 17 mai, voilà. On accueille notre papa, Joël, ici. Ouais. On l'a tant attendu. C'est vrai. On l'a tant attendu. Ça avait beaucoup de combats. Hein. Avec un grand combat, c'est fluidu, avec beaucoup de prières, mais enfin, il est là. On est contents, les enfants, les petits-enfants, ouais, en tout cas. Ouais, ils l'ont attendu, ils sont là aujourd'hui pour l'accueillir. Voilà. Il y a trop de blancs parmi vous. Hein. Il y a trop de gratter dans le coin. De sol belge. Ouais, de sol belge. Voilà. Ben, moi, je suis un peu touché par le drapeau. Voilà. Voilà. On remercie, c'est quand même un honneur pour nous parce qu'on a prié. La Belgique. On a pleuré. Aujourd'hui, on a papa et on est vraiment heureux. Merci et beaucoup. On est content. Ça n'a pas été facile, hein, il faut le dire. Je suis en Belgique aujourd'hui, comme disait tout à l'heure. Nous sommes à cette date de mardi 17 mai 2016. Ça n'a pas été vraiment facile parce que après. D'abord, elle m'a contacté depuis Paris. Depuis d'abord, avant que j'arrive en Europe, on devait régler un problème, souci. Et puis après ça, il y a eu trop d'attaques, j'aurai l'occasion d'expliquer. Je voyais trop de choses bizarres, négatives. Donc si je m'engageais, c'était au risque de ma vie. Ouais. Donc j'étais en train de gérer certaines choses. Et puis bon, et puis j'ai surpris l'ennemi, je les foudrais. Je les foudrais. Et puis maintenant, il a vu toi, puis je suis venu. Parce qu'il y a dans chaque famille, sur chaque famille, il y a des forteresses, il y a les esprits sataniques. Voilà, dès qu'on devait, n'est-ce pas, aller à Londres, après ça j'ai amené Londres, venir sur l'Allemagne et puis aller à Toulouse. Et puis cette nuit, c'était vraiment chaud, 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 chaud. Puis le Seigneur m'a dit, ben va, c'est confirmé parce que j'ai remporté la victoire sur l'homme fort. Amen. Donc, Amen. J'ai la victoire. Et puis bon, c'est merveilleux de rencontrer une famille qui a tant besoin du Seigneur. Ça, c'est vraiment important, qui a besoin du Seigneur. Nous avons partagé beaucoup de choses merveilleuses ensemble. Partager Jésus-Christ, prier pour eux, les aider. J'ai toujours dit que dans un combat, on a toujours besoin d'un allié, un allié spirituel pour nous aider. Dans un combat, sans allié, on ne peut pas gagner. C'est comme U et Aaron qui ont soutenu les mains de Moïse jusqu'au coucher du soleil, et il y a eu la victoire. Les choses ont changé de camp. Les choses changeront de camp dans ces heures qui vont suivre. Depuis que nous sommes entrés, l'ennemi a déjà commencé à plier des genoux. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour notre séjour merveilleux en Belgique. Nous sommes en Belgique. Et que Dieu bénisse. Déjà, le secrétariat s'est débordé, les gens veulent me rencontrer. Bon, on aura l'occasion tout à l'heure dans le numéro. Que Dieu bénisse. Amen. Shalom. Amen.